Mesdames et messieurs, bonsoir. Jodi a encore une autre fois moi vinn retrouver avec vidéo ça. Jean qui m'était promettre li semaine et passé hein que jodi a nous t'app lancer ensemble avec semaine d'investisseurs. Jodi a son grand plaisir pour moi pour me capable vinn communiquer ensemble avec vous ou même tout moi souhaiter que j'ai un plaisir pour vous, que c'est un plaisir pour vous pour que vous capable et assister vidéo ça parce que nous gagnons pile bagaille que nous voulons partager ensemble avec vous et nous souhaiter que attention façon que vous encourager nous façon que vous apprécier et travail ça n'a fait ça permettre que nous capable atteindre objectif principal travail ça c'est que pour ouais que ou même pour capable bien ou capable faire un pile succès dans vie parce que ou choisi tande nous. Jodi a c'est semaine d'investisseurs qui commencé. Pas oublier et jodi a c'est 21 septembre 2019 et moi vinn parler un peu de moi vinn partager ensemble avec vous et quelques bagailles sur entrepreneuriat et sur investissement en général. Donc et mesdames et messieurs, dans quatre travail ça nous viser pour que nous capables atteindre tout jeune ou jeune garçon ou bien jeune fille qui gagne difficulté là que yo quitter pays yo qui gagne difficulté pour yo intégrer yo dans société côté yo rivé a et en pile nan yo qui gagne difficulté soit pour yo joindre un travail qui fixe et pour yo gagnon instabilité économique dans pays. Donc tout ça ça nous venir ensemble avec gens de motivation ça yo pour que nous capable aider. Maintenant et jodi pour me parler de entrepreneuriat ou bien investissement gagnon bagay que nous t'apprendre les que nous t'étudier administration entreprise. Et il y a un bagage que nous t'apprenne que moi-même je voulais partager ensemble avec vous. Et comme on a parlé de entrepreneuriat, donc on a parlé de business en général, comment qu'on est capable d'ouvrir un business, comment on est capable de commencer un business. Et là pour ouvrir un business, gagner un ensemble de réquisitions basiques que on doit gagner pour que ou capable ouvrir yon business et pour que ou capable faire progrès. Et ensemble des réquisitions ça yo nous joignons en administration. Pas oublier moi-même j'ai formation en administration entreprise bien que nous gain des formations, nous gain formation en génie informatique et nous gain formation en administration entreprise. Dans administration entreprise, gain yon mot que moi-même moi t'ai apprendre. Mosa li rele POEC. POEC. Le mot POEC, c'est un sigle qui existait dans toute langue. Qui était en espagnol, c'est même gens. L'ité en anglais, c'est même gens. En français, c'est même gens. En portugais, c'est même gens. Quelle que soit la langue où vous voulez parler, vous avez besoin de Mosa qui rele POEC. Qu'est-ce que ça signifie? Moi pral défini mot ça pour signification mot ça sig ça pour et nous pral expliquer chaque lettre ça yo et qui ça yo représente. Le mot POEC qui c'est planification, organisation, exécution et contrôler. Ça c'est définition mot POEC. Planification, organisation, exécution et contrôler. Quatre phrases ou bien quatre mots. Eh bien, Zamigno et POEC, planification, c'est qui ça planification? Lè que ou ta envie, lè que ou ta envie ouvrir yon business, chérie. Et contrôler Staline pour moi. Lè que ou ta remè ouvri yon business, ok?
l'autre a remis ouvrir un business ou bien ou gain plan pour ouvrir un business, premier pas c'est mettre dans tête c'est planification. Qui sont joignent en dedans planification? Planification, c'est là que ou fin prend tout ensemble des idées qui dans tête ou prend yo ou commencer à faire une série de analyse. Ça nous relé analyse du terrain. Ou pral wè, c'est qui type de business qu'on t'a remé faire? C'est qui type de business que ou gagné affinité ou bien c'est ça me te ka dou, c'est qui type de business ou senti en ou même ou gen capacité ou ka entreprendre. Donc et en dans planification l'on fin joine mais qui type de business, mais qui côté ou t'a remé faire monter business nan, ou bon vision de local de espace côté qu'on t'a remé faire business là, soit c'est un business qui gagne un local physique, soit ou gen moyen pour ta louer un local pour ouvrir business là, ou bien son business qu'on voulait commencer la caillou, ou bien son business qu'on voulait vendre dans la rue, même je nous en pile mon a vendre dans la rue. Et mais qui ça passe, ou fin prend tout ça yo, ou fin prend toute information ça yo, ou fin ba yo qu'on y a là ou pral faire ça qui relé organisation, qui là nous vini dans question organisation. Ou pral organiser idée yo, prend tout ça gagner, organiser yo, mettez yo ensemble, ouais comment on va démarrer, et puis là alors fin organiser toute idée local, espace, condition, moyen, parce qu'elle vient dans moyen, on joint dans planification à tout, parce qu'il faut qu'on ait à combien qu'on capable commencer business là, qui sort gagner dans monde, à qui ça qu'on veut commencer, parce que grand pile monde qui passe business c'est fort grand pile l'argent pour commencer, des fois ou avec le peu que vous gagnez on capable commencer un business. Donc faut ou qu'on est exactement à combien qui moyen, faut qu'on qui côté on arrive. Donc ou fin pour organiser ou venir à ça qui relé exécution, qu'on y a là ou venir exécuter tout ça que vous t'est assimilé yo, qui c'est depuis sorti dans planification, façon que vous t'est planifié, façon que vous t'est programmé pour te louer espace, pour te commencer by service ou bien pour te commencer vendre. Donc tout ça yo ou venir prendre yo commencer exécuter yo, là qu'on venir fin exécuter, finir avec partie exécution, et c'est là qui pral venir partie on l'autre partie qui est important que nous relé contrôler pour chercher gain contrôle. Contrôle là c'est qui ça? Contrôle ça qu'on gagne, contrôle ça qu'on gagne cap rentrer, contrôle ça qu'on gagne cap sortir, parce que gagne monde qui seulement gagne contrôle de ça cap rentrer mais qui pas gagne contrôle de ça cap sortir. Donc contrôle là li important pour un contrôle pour que ou capable faire succès dans entreprise là ou bien dans business que ou voulez ouvrir. Mes amis, quatre mots: planification, organisation, exécution et contrôler. Ou doit bien contrôle tout ça qui a rentré, ou doit bien contrôle tout ça qui a sorti, ou bien contrôle toutes dépenses qui a fait. Donc et là ou capable de faire yon calcul pour est-ce que réellement business ça li rentable ou bien est-ce que entreprise là li rentable. Donc pour un monde ou commencer business, bon série de principes basiques que vous supposez gagner. M'bral dou yon nan bagay ko dwe gagner la caillou si toutefois ou ta vle commencer un business. Donc fok ou pas sensible, bien pesé, m'pesé sou moi, fok ou pas sensible. Pour qui ça nous parle de sensibilité? Gen moun pa, le moun nan rentre dans business la pa tande que dans les premiers jours ou bien dans les premiers mois que business ça li pral remporter, et le regarde li wè c'est bac k'ap fèt, c'est pas avance k'ap fèt, c'est pas avance, c'est bac. Donc le moun sa commencé, t'a commencé faire plus sacrifice pour faire que business là lever là, mon on commence dit non, ah j'aime bien là gèle ça pas marcher non. Et puis yon nan bagay qui important, faut ou son moun ki optimiste
faut que toujours les bagages positives, bien que en dedans business. En dans business, tout grand entrepreneur connaît ça. Là, on va commencer à gagner un équilibre que vous devez faire. Donc, vous devez connaître et évaluer les risques. Faut qu'on évalue les risques qui gagnent dans business. Faut qu'on identifie les risques qui gagnent dans business, dans faire business. Dans faire business, faut qu'on ait équilibré bagayo, faut qu'ou pas wè yo seulement positif ou bien faut qu'ou pas wè yo seulement négatif, faut qu'yo équilibré parce que lè que ou pral ouvre un business en commencement ou gen 50% pour réussir ou gen 50% pour pas réussir. Ah, comment me faire gen 50% parce que l'équilibré en commencement, donc ou gen 50% pour réussir ou gen 50% pour pas réussir. Et ceci, 50% qu'on gagne pour pas réussir, li plus pesé que 50% qu'on gagne pour réussir. Parce que à qui pot ti fay, à qui pot ti changement de comment de ka di ça, à qui pot ti de vie, à qu'importe si échec capable effondrer au plus, qu'importe si échec capable effondrer au plus, bien que c'est pas vraiment moi ça que m'a cherché, mais m'a venir ensemble avec moi pour vous. Et l'erreur dans business, à chaque fois où vous voulez sortir de ligne que vous avez commencé à ligne quand tu commences à c'est positivité, toutes sortes de gains de positivité ou dit non, moi pral monter business ça, moi pral m'a réussi, moi pral mais ça m'a fait, mais ça m'a fait, ah mais moi ouais possibilité pour me sortir. À chaque fois que ou sorti de point ça ou bien sorti de angle ça, qui s'est passé, ou capable ouais nan peu de temps et puis ou tombe à zéro. Donc ou supposé rester avec yon détermination, ou supposé gagner détermination, ou supposé gagner objectif. Objectif moi c'est pour mon business et yon qui côté que m capable gagner en pile fonctionnaire. Objectif moi c'est pour m capable faire en pile l'argent, parce que c'est ça en pile monde met nan tête yo. Si ou rete positif, ou capable rive atteindre objectif là, c'est ça qui est objectif. Mais si que ou est ou là pas bon équilibre, ou là ou pas comme si ou fait à gauche ou vin rive en degré ou fin commencer et pour rive ou pas comme si vous fait à gauche si vous fait à droite, et ou pas vraiment ah bagay yo là comme ça, yon nan bagay ki gagne. Donc faut apprendre à encourager tête ou. L'aime dit ou encourager tête ou, c'est qui ça? Des fois ou commence son business et puis tout le monde a passé comment ba yo yé? Ah pas gagné. Ah ba yo ba bon même. Ou tombe plein ba moun. Et bien qui ça passé? Donc ou là ou il plus facile pour que ou prenne chemin pour pas espérer que chemin ou espérer. Donc mes amis, l'important pour nous connaître dans faire business gain risque, faut apprendre faire ça qui relé gestion des risques, faut qu'on mette balance là, mette poids dans balance là et puis pour équilibrer tout des bon balance là et pour capable joindre sortir. Faire business c'est pas un bagage qui facile pour un pile monde qu'on est jodi rentre me balle faire comme balle ceci, mais tout nous voulons dire il est pas difficile, il suffit que ou gain des références des monde qui fait succès dans business, des monde qui soit même passé des moments qui même plus difficile passe ou qui commencer avec peu de moyens qui ont gagné et puis yo arrivé faire fortune yo. Donc, l'important pour qu'on ait ça, pour qu'on planifie, pour qu'on organise, pour qu'on exécute, pour qu'on contrôle. Merci. Demain, si Dieu veut, nous continuons ensemble avec vous. Avec, nous continuons.
pour nous montrer qui ça qui relait les coûts déterminés dans le business, comment on est capable d'avancer. Et nous pourrons faire ça qui relait équilibre des risques pour nous pourrons faire gestion des risques pour demain si Dieu veut. Et nous souhaitons vous même qui pourront abonner à la chaîne là. Abonnez demain si Dieu veut, n'a pas rejoint nous encore. Merci, bye bye.